Aujourd'hui, on se retrouve pour une astuce sur FIFA 16 et je vais vous expliquer comment avoir plein de monnaie sur FIFA 16. Yeah yo, yeah yo, mon lala, yeah yo. Bitch better have my money. Y'all should know me well enough. Bitch better have my money. Please don't call me on my bluff. Pay me what you want me. Ballin' bigger than LeBron. Bitch give me your money. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur FIFA 16 pour une petite astuce en espérant aider la plupart d'entre vous avec quelques petits conseils pour débuter et se faire un peu de pognon sur FIFA 16 pour vraiment essayer de commencer à avoir une bonne petite équipe Ultimate Team dès le début. Alors peut-être que les débutants, ça va leur être d'une aide vraiment assez énorme. Les personnes qui jouent moyennement, ça va peut-être vous aider. Après, les personnes qui jouent énormément, peut-être que ça va juste un tout petit peu vous aider cette astuce, mais en tout cas, j'espère vraiment aider le nombre maximum de personnes possibles qui regarderaient cette vidéo. Donc vous allez tout simplement ici, voilà, dans le mode Ultimate Team pour ceux qui jouent à FUT hein, de préférence. Et puis ici, vous allez dans le catalogue qui est ici. Et puis dans le catalogue, vous descendez et puis vous descendez, vous descendez, vous descendez. Et puis vous prenez les bonus de crédit FUT. Alors ici, vous aurez pendant 10 matchs 1000 crédits FUT. Alors vous prenez ça, comme ça, ça vous fera 1000 crédits FUT. Pendant 10 matchs, vous serez tranquille, ça va vous faire pas mal de crédits dès le début. Après, vous allez en ligne, vous allez dans compétition en ligne et faites bien attention, gardez bien vos cartes pourries. Vous savez, les cartes pourries qu'on vous file au début, les cartes bronze, gardez-les bien justement pour jouer ici parce que ici, c'est des matchs un peu inutiles. Hein, quand tu fais un classique bronze en mode amateur ou en mode débutant, excusez-moi, c'est ici que ça se passe. Voilà, quand tu fais une coupe débutant, ça reste quelque chose de vraiment super facile. Donc justement, vous allez pouvoir vous servir de vos cartes bronze qui vous servent strictement rien au début et justement commencer à gaspiller des contrats pour justement économiser le plus de crédit possible au début. Donc en commençant cette coupe, quand vous aurez bien sûr pris les bonus de crédit, donc vous allez avoir à peu près, bon, on reste ici, vous allez avoir à peu près ici, donc si vous le voyez bien, si vous le savez bien, normalement vous allez avoir un match, deux matchs, trois matchs et quatre matchs. Donc quatre matchs, vous aurez plus de 1300 par match parce que bon, vous aurez le bonus aussi et à la fin vous aurez 1000, ce qui vous fait plus de 5000 crédits rien que ici. Et ici, ça vous fera également plus de 5000 crédits. On va dire que ça vous fera à peu près 5000 et 5000, ça vous fera 10 000 crédits, plus 2 packs or dès le début pour commencer. Alors je dis, moi, qu'en 8 matchs, se faire 10 000, plus de 10 000 crédits et 2 packs or, ça reste quand même quelque chose d'assez sympa. Surtout, si vous ne gaspillez pas un seul petit crédit dans aucune carte or, vous économisez vraiment et vous faites vraiment ça avec votre équipe bronze du début. Après, une fois que vous avez fait ça aussi, ce que je peux vous conseiller, qui pourrait vous aider, peut-être ça, je sais que les anciens connaissent, les débutants connaissent peut-être pas, ceux qui viennent de débuter FIFA, mais vous allez simplement dans le catalogue, et quand vous allez dans le catalogue Ultimate Team, vous descendez ici, et vous trouverez normalement des joueurs Ultimate Team à vous prêter. Alors quand je vous dis des joueurs Ultimate Team, mais vous devez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a comme joueur Ultimate Team? Peut-être que certains ne savent pas ce qu'il y a comme joueur Ultimate Team, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, alors ce qu'il y a comme joueur Ultimate Team, je vais vous montrer ça. Joueur, alors vous aurez tout simplement du Lionel Messi, du Ronaldo, du Silva, du Lewandowski, du De Rea, du Vidal, voilà, du Carzola, du Carrich, du Snyder, du Griezmann. Vous aurez aussi également une personne que j'ai déjà utilisée, Eden Hazard. Et vous en aurez encore plein d'autres normalement qui seront offerts tout simplement ici. Alors ça, je sais que vous le savez. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo astuce vous aura aidé un tout petit peu à bien débuter ce petit Ultimate Team qui s'annonce vraiment pas facile. En espérant en tout cas que vous allez vous amuser, que vous allez écouter mes petits conseils. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime. Je compte sur vous. N'hésitez pas non plus à la partager à vos amis Facebook, Twitter, de partout. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis, en espérant que cette vidéo vous ait plu et elle vous a aidé. Si elle vous a aidé, tant mieux. Si elle vous a pas aidé, j'en suis vraiment désolé. Mais j'espère en tout cas vous avoir un tout petit peu aidé, ne serait-ce qu'un chouïa. Moi, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos.